Bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News, direction Mellemeu, un village situé entre les villes de Minvoul et Doyem, dans la province du Welentem. Là-bas, la dégradation du pont inquiète toujours les usagers, vu qu'aucune réhabilitation de l'ouvrage n'est engagée par les pouvoirs publics. Reportage de Linda Nyumba et Justin Litégué. Nous sommes ici sur le pont de Mellemeu, dans un village situé à près de 75 km de Minvoul. C'est dans le département du Welentem. Ce passage de 30 ans, très fréquenté par les routiers et les populations, est aujourd'hui endommagé par le poids de l'âge. Comme on peut le constater ici, le déboîtement de l'une des piles et la dégradation du plancher du pont causent la peur chez les usagers. Les populations habituées à fréquenter la rivière en dessous sont donc exposées à tous les dangers. Grosse colère qui depuis plusieurs mois ronge les cœurs. Fatigués d'interpeller les pouvoirs publics et en politique sur l'urgence de la situation, ces derniers ne tournent désormais les yeux que vers le ciel en espérant que le bon Dieu exauce leurs prières. Et puis la route qui mène à Minvoul Centre est une route qui a été viabilisée en 1985 par la société française Fougerolles. 30 ans plus tard, cette route est semblable à une piste d'éléphant difficile d'accès, annoncée par le Premier ministre Daniel Onaondo, qu'elle sera entièrement bitumée avant la fin de l'année 2015. Seulement 45 km ont été remis à neuf sur 110 km de route. Marina Medeman et Justin Mitégué pour le constat. Partir d'Assangomo pour Minvoul Centre, c'est un véritable calvaire pour les populations de cette contrée. Ici, dans cette broussaille, une voie dite routière traverse le long de la forêt et seulement un véhicule peut emprunter la piste. Lorsque deux véhicules se croisent, obligatoirement l'un d'entre eux se faufile dans l'herbe, comme on peut le constater. Viabilisée depuis près de 30 ans par la société française Fougerolles en 85, cette voie n'a jamais été bitumée. Pourtant, la promesse a été donnée il y a quelques années. Quel était le discours du président de la République pendant la campagne à Minvoul, qu'il doit goudronner Minvoul à Sorongon avant de faire toute chose que ce soit. Beaucoup de gens le savent et ils ont écouté, ils étaient. Ça a été tenu où nous sommes dans des ravins, oui. Ça a été tenu, mais autrement dit, moi je peux dire que ça n'a pas été tenu parce que nous sommes dans les rigoles, dans les fossés. Pour rappel, cette route évolue sur une distance de 110 km, mais seulement 45 km ont été raclés cette année. Aujourd'hui, plus aucun engin n'est allé sur les lieux, une situation que les populations déplorent. On en vient à présent à la page politique de ce journal. Après Bolossoville, le leader politique de l'opposition gabonaise, Jean Ping, s'est rendu dans le village à Kok pour partager aux populations sa vision du Gabon de demain. Une visite attendue par les habitants de cette localité au vu de la forte mobilisation établie. Reportage de Linda Nyumba, Kenyongori et Justin Mitégué. Poursuite de la tournée politique de l'un des leaders politiques de l'opposition gabonaise, Jean Ping, dans la province du Welentem. Après Bolossoville, le probable candidat à la présidentielle de 2016 s'est également rendu au village à Kok et Samnio pour non seulement partager sa vision du Gabon de demain, mais aussi faire l'état de lieu du département du Welentem. Le Welentem est l'un des départements les plus oubliés du Gabon. Les plus oubliés du Gabon. Or, ça ne devrait pas être le cas parce que vous êtes un département frontière. Et les départements frontières doivent toujours être privilégiés et soignés. Il faut des routes, il faut des écoles, il faut des casernes militaires, il faut que les villes frontières soient privilégiées.
Manque d'hôpitaux modernes, d'écoles et bien d'autres structures modernes, un décor qui n'honore pas les populations vivant aux frontières du pays, une situation qui peut changer d'ici s'il est élu président de la République gabonaise en 2020. Faites-moi confiance. Nous n'allons pas vous faire honte. Nous n'allons pas vous trahir. Parce que cette fois-ci, nous ne voulons pas que ce qui s'est passé avant se passe. Et pour être encore plus à l'écoute des couches défavorisées, le probable candidat Jean-Ping a annoncé l'ouverture prochaine d'une chaîne de télévision privée. Et pour finir, on parle de la remise des équipements sportifs par l'honorable Zibi Abégué, la célébration des 55 ans de l'indépendance au district de Bolosoville a donné l'occasion aux députés du 2e siège du canton sud Sosolon Thème d'offrir près de 100 équipements sportifs aux différents clubs de football des villages de tout le département du Haut Thème. Le point avec Justin Vitégué. C'est en prenant l'unité des fils et filles du département du Haut-Thème que l'honorable Bertrand Zibi Abégué est allé communier avec les siens dans le cadre des manifestations marquant les 55 ans de l'indépendance du Gabon dans le district de Bolosoville. Une occasion pour lui d'offrir près de 100 équipements sportifs aux footballeurs de tous les villages du département. Nous prenons encore une fois de plus l'unité des fils et des filles du district de Bolosoville. C'est pourquoi, à cet effet, j'ai décidé de marquer d'une empreinte blanche, d'une empreinte indélébile, cette fête du 55e anniversaire, en offrant à l'ensemble des équipes sportives du département du Haut-Thème, pas seulement le siège dans lequel je suis l'élu, mais toutes les équipes du département du Haut-Thème, canton sud, canton Sosolon-Thème, canton nord et commune de Minvoul. Un geste de plus qui ne laisse pas indifférents les heureux bénéficiaires. Nous sommes très heureux du don que nous avons reçu et surtout que ce dernier est le seul qu'il a toujours fait. Parce que je me souviens, dans ma jeunesse, il avait d'abord fait des importants dons de série Bayo. Il y a 2 ans, il en a fait. Aujourd'hui encore, il en a fait. Et tout ce que je peux demander aux gens, c'est de soutenir le député dans son action. À l'orée de la CAN 2017, ce don d'équipement sportif vient de donner une réelle opportunité à la jeunesse de ce département de se distinguer par le talent afin d'atteindre l'excellence et pourquoi pas de se faire une place parmi l'élite du football national ou international. Voilà, merci de votre fidélité. L'info continue sur www.gabonnews.com. Bonsoir.